할렐루야. 아멘. 아멘. 아멘.
dans sa dimension de sainteté infinie, prit la place des pécheurs, la place des hommes. Et tu vas remarquer le maître, le grand esprit Jésus, a apporté, n'est-ce pas, à sa charge, les torts, c'est-à-dire l'image qui représentait les personnes auprès de qui les salis étaient venus. Alléluia. Amen. A commis mon doudou alors qu'il y a sa vie propre. Donc vous allez unir lorsque ton com a amusé, il y a qu'on s'est pardonné. Donc vous allez unir lorsque ma paix à mon nina n'a pas comme un commun amour et sa paix va faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque, autant que l'Église ne va pas comprendre l'efficacité de ces secondes degrés, de cette seconde dimension, c'est-à-dire, nous devons former une équipe. Frère, ça sera difficile, tout aura résultat en face. Et je vous ai dit dans Genèse 11, lorsque vous allez lire l'histoire de Tour à Babel, mais tout ça, et l'autre, où ils avaient la volonté de nous amener. Ça, c'est pas l'objet, vous voyez. L'Éternel descendit pour voir le travail et la ville qui bâtissait les tours des fils des hommes. Et il s'est dit, où il dit, n'est-ce pas, à la corne de sa divinité, voilà qu'il forme un peuple uni, alors rien ne pourra les empêcher d'atteindre leur but. Ça veut dire, là où il y a unité, bien aimé, c'est là, c'est l'endroit. Idéal pour tout à fait un résultat et à ma race. Je vais vous dire une vérité, vous ne serez jamais même une famille, une grande famille, tant que les divinités, nous parlons même des divinités pour vous autres et nos autres alliances, les autres qui ont la vie. Et on a l'idéalité qu'on opère des temps en venant ici à l'église, il y a besoin de la vision sur la vie des autres. Ça veut dire la débit, mais plutôt débit à sorcellerie et pas une arbre. Il y a des gens qui sont spécialisés dans des telles histoires. Le Seigneur m'a dit, ils sont pour la même de moi, quand ma paix, quand ma sanité, ma cabo, ma pensée, plutôt ma sauver, ils ont acquis. Allez, ils en font maintenant le message de quoi. Dieu n'agit pas comme ça. Les plus ils ont réveillé, excusez-moi, ils nous disent. Les plus ils sont dans le monde diviseur. Un Dieu qui est capable de diviser même les parents avec leurs enfants. Alléluia. Amen. Ils sont en cours dans la galaxie, ils sont bruits. Finalement, dans ce cas, on va conseiller à mon qui est l'équipe dans la vie. Nous avons la paix pour la service. Aussi, ici, gouverne la puissance. Ils sont dans la service. Mon colo, dans la service, même au Lumunae, n'a mis sous la moindre. Mais tu vas remarquer un Dieu qui est capable d'apprendre même des frères et sœurs qui ne sont pas encore affermis dans le Seigneur, dans la divinité véritable. Malheureusement, on va parler. Ça sont des désordres. Oh le Seigneur, il y a un message, non, il y a un mot. Ce sont ces genres de cavalerie qu'on ne peut pas accepter dans l'église du Seigneur. J'aimerais qu'une personne dise Amen. Amen. Bien, soyons unis. L'unité veut dire quoi? Que tout le monde ne va pas représenter de la même force ou la même chose. Mais seulement lorsque, écoutez, on veut manger le meilleur friandise ou même le meilleur gâteau, il faut accepter que ces gâteaux contiennent plusieurs produits. Produits, nous soupçons que vous avez un caractère sucré, nous soupçons que vous avez un aigre, nous soupçons que vous avez un amer. Alléluia. Amen. Mais tout ça dans le but, il y a quand même un, n'est-ce pas, gâteau, voilà, et ça va malade. C'est que je remarque avec mon Dieu, à un moment donné, il est fatigué. Le Seigneur a envoyé du pain. Mais puisqu'il a continué la foi et qu'il s'est retrouvé encore quelque dans une autre dimension de faiblesse, cette fois, le Seigneur a donné du gâteau. La différence entre le pain et le gâteau, c'est les composants. Alléluia. Le pain a moins de produits par rapport au gâteau. Quand il s'agit des gâteaux, les choses s'ajoutent. On est une grande église lorsqu'il y a des comportements diversifiés et en cela, bien aimé, nous produisons l'unité représentée par le corps de Christ. Puisque tous, bien aimé, mangeons, n'est-ce pas, de la même nourriture, nous sommes bien mis là au calme encore. Bien aimé, il faut aimer ma mission à une équipe.
Il y a un joueur de football, ça me rappelle, on l'appelait Ngoma Yaya. Plusieurs personnes connaissent, je crois bien ce joueur, pas les jeunes d'aujourd'hui. Il jouait dans les rivières Botana Pépé. Il jouait, n'est-ce pas, en défense au poste 3. Il avait les jambes comme ça. Et bien, mais Aminé Quattro. Mais il y en avait dans la même équipe, il y avait celle-là qui jouait avec pouce, qui était capable de dribbler. Aucun joueur n'a dit que Ngoma Yaya a commencé son football bien aimé, il n'a dribblé même un adversaire. Un certain nombre de la manière dont Dieu, alléluia, a servi ses missions. Et puis en matière de la divinité, écoutez-moi, que chacun vienne dans l'état pour lui écouter. Amen. Amen. Mais l'église n'existe pas en balance, mes frères et sœurs, comportementale. Non. Que le fort soutienne les frères. Amen. Ce travail, c'est ce que nous n'aimons pas faire. Ce travail, c'est ça, ce que l'église ne permet pas réaliser. L'église est là comme des colportages. L'église est là, frère. Là, on s'est tutoyé de manière réciproque. Mais tout cela, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que nous formons une équipe. La fois passée, vous pouvez venir le faire partir de parfois pressionnant. Il y a eu un frère, nos amis là, du quartier, qui est entré ici le dimanche, vous étiez parti. À côté, on a pressionné beaucoup. À son matin, il y avait déjà la miracle. J'ai vu le frère Patrick, il était utile en ce moment-là. Il était là, il est parti. Quelle est cette église? Il y avait tout le tempérament. Lorsque nous savons ça autour du monde, mais ça nous donne un bon résultat. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, acceptons-nous mutuellement. Acceptons-nous. J'ai horreur quand je regarde ce qui se passe à l'église. Il y a même les conglomérats tribaux. Mais oui. Il y a même le rassemblage clanique. Il y a même des regroupements ethniques. Je pense maintenant c'est clair. Les loups, les loups, les loups, les loups. Les soignes, les soignes, les soignes. Il suffit que même il y a un frère ou une sœur. Ça veut dire à quoi n'a un ami, maman, qui t'a marre dans ma case. Parce qu'elle n'a ni. Non, ma cause. Il y a un frère qui m'a dit je t'aime beaucoup parce que depuis moi, quand j'étais ici, je croyais que c'était un sujet d'été là. On me disait le pasteur aime beaucoup les polos, tout ça. Mais le jour où on m'a dit que c'était mon corps, même ma confiance en toi, et ma tête. Tout simplement pourquoi lui-même c'est un écrou. De même, vous remarquez ces histoires à l'église, même dans les écoles, tous ces gens qui se disent chrétiens, chrétiens. Allez voir ce qui se passe dans les entreprises. Parce que ça, dans la calme, on va en école. Bien aimé, en plein 21e siècle, vous n'êtes même pas dirigé les chaînes, la pensée, au sens spirituel, au sens humain. Mais dites-nous, on va en école. C'est vos amis. À l'église, ces histoires à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le collègue a beau Christou, Christ. Mais je vous dis la vérité, je vous aime. Sans même comprendre ni savoir. Ma territoire ni mobile. Ça me rend malade. Jamais je n'ai vu ça. En France, en Amérique, partout. Il suffit qu'on mette quelqu'un, qu'on place quelqu'un même dans nos politiques. Tu vas remarquer des choses bizarres. Bah tiens, la moutouille, on ressortissait un peu. Au moins, après, la notable est en train de la nous, notable, ressortissait, nous disons merci au chef de l'État pour avoir placé un fils littéral. Tout ça, pourquoi? Pourquoi? Ça nous ramène où? Ces histoires, nous devons mettre fin à l'Église. L'Église est un domaine. Alléluia. Amen. Qui ne fixe pas, qui ne vise pas bien aimé, ma caméra, qui l'a dans mon soumis. Lorsque vous quittez le domaine des centaines que je viens de le révéler ici, allez plus loin, vous allez remarquer qu'à l'église, il y a même le domaine physique qui intervient. Bah, nous autres, comme j'ai vu deux de mes soeurs, non, trois d'ailleurs, par un minga. Alléluia. Il y a encore une autre soeur qui s'ajoutait au milieu d'elle. Bah, nous, 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 l'église, c'est ça, les gens se rassemblent, se regroupent, même par rapport à des classes sociales. C'est l'église du Seigneur, c'est ça. Parce que l'église du Seigneur, c'est ça. Raison pour laquelle ne dites pas à ceux qui viennent, qui s'ajoutent dans la barque, qui sont utilement venus, bien aimés, sous l'invitation du Seigneur. Vous qui avez commencé
Christ. Mais mon ami, ne quitte pas ces gens-là qui a le paradis. Et pas banani. C'est la personne de nous tous. Amen. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Seigneur. Amen. Ne mettez pas ce qui arrive mal à l'aise. Alléluia. Amen. Il y a des chants comme ça. Lorsqu'il marque que la nina vous soit nous dit ça va plus ouest, bon ça m'a quand même belle pour les limiter, on va nous mettre dans notre église et pas dans notre temps de corps. Une manière de limiter, une manière de détruire, n'est-ce pas, leur élan. L'église, c'est pas ça. Nous devons collaborer dans la spiritualité. Amen. Mais c'est que je vous dis une chose, je ne le dis pas parce que quelque part je crois que ça n'arrivera pas, mais je ne sais pas. Mais ça peut aussi dire une personne qui est là à peine arrivée de prendre la place du pasteur et que moi je sois sur le banc. C'est possible. Et je vous dis, j'accepterai cela si seulement cela provenait du Seigneur. Amen. Je n'ai jamais mis en tête que cette église, c'est pour moi. C'est une administration qui me dépasse. Raison pour laquelle j'appelle le Seigneur mon patron. Ça veut dire qu'il peut décider en tant que chef à tout moment. Il peut dire aussi, béni, dans le monde de je te fais le recommande d'ailleurs. Un jour, j'étais avec les encadrés, on parlait. Je leur ai dit, chez nous, il n'y a pas de pasteur à Dieu. Je n'ai pas vu dans la Bible. On n'a pas de pasteur à Dieu ici. Ça veut dire que papa n'est pas automatique, mais c'est le cordon qui a la charge de l'église. Non. Du point de vue administrationnel, oui. Parce qu'une église doit avoir des structures bien définies. Mais la spiritualité qui est la diligence, alléluia. Amen. Ça peut provenir du Seigneur. Il peut décider, même lorsque je suis là, que je veux maintenant que la sainteté dirige. Amen. Amen. On placera la sainteté. Alléluia. Amen. Unité, comme il m'a dit sur Moussika. Vous perdez le temps même dans ma famille à nous diviser. Vous avez la mine. Vous avez la mine. Ne vous divisez pas. Voulez-vous que je vous dise amen? Amen. À votre place? Ok, amen. Allez-y avec moi. En réalité, d'après Jacob, et donc le salaire des femmes à élite, et ça a parfait qui a réussi à convaincre les Gonaïs que soit milé, il y a soupe, il y a montagne, à l'épée, ça va beaucoup l'autre. Ah non, Jacob a son beaucoup, il y a beaucoup l'autre. Mais voilà que la prédominance ne devait pas finir comme ça. Souvenez-vous lorsque la maman Rebecca était enceinte, elle est allée chercher la face de Dieu. Le Seigneur avait déjà prédéfini les choses. En vivant les amitiés, à quoi si j'ai dit Goya? Alléluia. Pourquoi on a bien la famille? Parce que peut-être moi, dans mon cas, j'ai décidé que les gars n'avaient pas. C'est ce qui s'est passé même dans la famille de Joseph. La famille divisée, et parfois ça me fait mal. On est divisé à cause des prophéties. Ça me fait très mal. Oh Seigneur, ne nous donne pas de telles vocations ici. Amen. Les choses de Dieu, il faut être vigilant. Amen. Vous savez, notre église est en train de vivre et de grandir, de bon augure, à cause aussi de la vigilance de notre pasteur, qui n'accepte pas n'importe quoi. Aujourd'hui encore, j'étais avec le pasteur Mo et le pasteur David. Le pasteur Mo m'a rappelé une chose à lui. Je me rappelle un jour, tu disais à la sœur Charlène, aux obédats, mais ça y est, comme sur ça. Dans tout les vieux, dans le bas de nous. Alors, on va aller dans la chambre. Je la confie. Quand on va aller, quand on m'a dit, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller. Vous amenez même Dieu à la division. Eh, ça mais ma mère, surtout, parce que tu es dans la tête du ministre, ça te fait administrer. Nous avons même un petit peu compris, Nani, au Sami. Donc, pas ma carrière, pas ma communiqué. Pas ma carrière, 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 toi, tu mérites beaucoup. Mais si tu es là, c'est parce que le Seigneur t'est gagné. Amen. Nous étions quelque part, je crois bien, avec mon ami Ndabou. On est allé les laisser chez eux à la maison. Nous nous sommes croisés
avec ma dévouement, ma solidarité, ma cortège, ma moulaille, je ne sais pas c'était qui. C'était déjà vers les 22, 23 soeurs. Et par après, j'ai compris lorsque je suis à la télévision. Mais c'est Sassou Nguessou qui a passé nuit ici. Moi, j'ai cru qu'il y avait peut-être un sommet. Si pas quoi, avant que chef de l'État, on va m'apprendre que dans sa belle famille, ça veut dire la soeur à sa femme qui est décédée. On sait le message. Je me suis posé une question. Est-ce que la personne est morte parce qu'il a manqué quelque chose? Non. Ça veut dire, écoutez-moi, ce n'est pas une position quelconque qui nous soutient. Amen. On est soutenu par le Seigneur. Amen. On est soutenu par le Seigneur. Amen. Peut-être que toi, tu as été plus malade que la personne là, malgré les richesses. Mais la voilà, elle est très passée. Mais toi, tu existes encore. Amen. Changeons la manière de vivre. Alléluia. Amen. On se choisit le bâtiment. Non. Tout le monde dit qu'il y a des à part que la collaboration vise le travail, deuxièmement, les hommes, on a l'unité des hommes, l'équipe. Troisièmement, aujourd'hui je vais parler, la collaboration vise un ou des objectifs à atteindre. Un ou plusieurs objectifs à atteindre. La collaboration vise un ou plusieurs objectifs à atteindre. Écoutez-moi, nous sommes là comme amis de l'alliance dans le Seigneur Jésus. Nous sommes là comme chrétiens, c'est parce que le Seigneur nous a rassemblés en sorte qu'il puisse atteindre quelques objectifs avec nous. Amen. Frère, dans le 21e siècle, même du point de vue naturel, il y a des gens pour Sanana, Bambo, sans y avoir même utilité, là, il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il y a à son rapport télé, là? Même quand Dieu me permet, au moment où l'autre est marié, comme moi, par exemple, vivant sous un toit conjugal, formant un foyer, mais nous sommes comme moi, la société. Quand Dieu me donne des enfants qui vont représenter pour moi l'affection sans limite. Mais cette collaboration en famille, c'est pour un objectif. Croyez-vous que le Seigneur a ça dans le sens d'objectif? Croyez-vous, Satan, seul là, il est en train d'administrer. Comment est-ce qu'il va réussir son projet? Afin d'y avoir la création. Il n'y avait pas encore la masse comme aujourd'hui. Mais lui, il voyait déjà demain. Si je laisse cette divinité continuer à fonctionner, qui en sera à ma place? Alléluia. Amen. Déjà, moi, je sais qu'il y avait des challengers. C'est-à-dire, t'as pas moi. De l'autre côté, il y avait le Seigneur Créateur lui seul. Mais maintenant, je l'entends dire à ses siens. Dans son paradigme divin, il dit ceci. Créons maintenant l'homme, à l'entrée, demain. Et il dit encore que cet homme s'est multiplié. Ça veut dire qu'on ne le fera plus. Je vais déclarer la guerre. La guerre contre qui? Contre la personne qui détient, qui possède la divinité, même l'image du Seigneur. Il se dira comment je vais atteindre Adam, comment je vais atteindre elle. Que dit-on, moi, le maillet et à mon tour. Or, le jour où le Seigneur permettait à Adam, personne n'a même pas mis son combo, Adam n'a même pas pu comprendre quel animal représentait quoi. Parce que ça n'a pas compris, ça. Mais Satan a regardé la création animale. Quel est l'animal qui peut mener à atteindre mon objectif? Il se dit non, 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 non. Les plus rusés, c'est parce que je les ai observés. J'en ai fait un contour. J'ai compris ceci, le plus risé, c'est le serpent. Et quand je vois par rapport à lui, soit même simple comme la colonne, c'est mon prix comme le serpent. On valorise les serpents. Lorsque je lis l'Apocalypse chapitre 7, verset 12 et 12, je crois, on dit, celui qui était descendu, le grand dragon, le serpent ancien, tout ça, c'est un très bien, le diable l'a déjà compris. Ça veut dire compris. Il dit non, 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 non.
Il n'y a que nous. Tout ça dans l'église sans le savoir. Que même les hommes ne sont pas dans la collaboration. C'est pour atteindre quelques objectifs. Amen. Si le diable a réussi, mes frères et sœurs, depuis que la création existe, il y a des choses dans la création qui dépassent les seuils compréhensionnels. Je vous donne un exemple, une chose comme la plante. Tu passes aujourd'hui au sein de quelque chose. Il y a le temps, rien que l'espace, même il est formé. Mais tu retournes après quelque chose. Au temps de l'eau, on est maintenant vivant. Ça sont les puissances irréversibles. Mais pourquoi le diable cherchera-t-il jusqu'à comprendre quel a été l'arbre interdit? Alors moi j'amènerai l'homme à pouvoir, n'est-ce pas, en faire une édition de plus. Montre au liable. Non mais non. Il dit, mais ne blague pas, papa. Au moment de ton je suis en train de parler de lui, je parle de Christ. Amen. Mais souvent que je passe et que j'en tire l'exemple même naturellement, même par rapport bien-aimé aux actions opposées. Tu me vois très bien. Il dit que nous, moi, nous sommes à la bague, il dit toi, nous. Ah, ma carte, ma zone sale. Au moins, même pas zone sale, on va comme le roi, il n'y a pas de carte, il n'y a que nous qu'on vient à l'église, l'église devient un dojo, un tatami de querelles. L'église devient un dojo, un tatami de problèmes, là où les gens peuvent s'entretuer, même pour des choses les plus vulgaires, naturellement, qui puissent exister. Ça me fait mal, très mal. Est-ce qu'avez-vous déjà compris? Le Dieu Daniel, quand il nous rassemble, alléluia, c'est pour quel objectif? Donc la collaboration, lorsque le monde n'est pas objectif, on va commencer avec un moyen. Attendez, Dieu va me donner une femme. Mais, allez, je me marie comme vous voulez, là, on chante, les noms, là, yo, autrement, il peut me dire, pourquoi que Dieu me donne cette femme pour moi? Pour faire amour? Et c'est tout pour avoir des enfants? Non, Dieu a des objectifs. Raison pour laquelle tu veux remarquer, moi, on change une impasse. Mais le diable ne combat. Parce qu'il sait que le bon Dieu qui t'a donné, si seulement tu réussis à placer ta séance, c'est fini. Mais le Christ sera sauvé pour plusieurs. À un moment donné, quand ma mère me dit, à tout moment, tu tombes malade. Parfois 2h, 3h du matin, au moins le temps de le couvrir. J'ai compris, l'ennemi avait raison de me combattre. Parce que cela réussissait, il n'y a pas la mienne. Pas la mienne. Toi, tu n'écouteras peut-être pas ma capote sur le cas. Posez-vous une question, mon ami Rigueur. Si seulement Guérassi pouvait faire l'œuvre de son maître auprès de lui, tiens, la même petite souka, tu n'as pas parlé. Alors, il a un petit côté. Tiens, tu doubles les morceaux. Ce qui peut guérir, c'est à soi qui. On parlait de notre pagination, mon ami, oui, dans la Bible. Ça s'ajouterait. Tant qu'on n'a pas compris les objectifs, tant qu'on n'a pas compris que la collaboration, mes frères et sœurs, vise quelques réalités que nous devons absolument avoir une ipso facto. C'est ça le problème de nos églises, de nos hangars, contenant l'homme. En termes de culte, même les plus ignorants qui puissent exister. Parce que nous venons de l'aimer, écoutez-moi, sous chapelle, sans savoir réellement qu'est-ce qu'on vient faire. C'est comme si c'est là où les gens doivent profiler de mariage, on dit business, les gens se font des bisous, tout ça. On oublie pourquoi l'église a mis à l'existe. Pourquoi tu as permis en ce moment, tu habites tes communes, la plus éloignée ou même rapprochée, et qu'ensemble, mes frères et sœurs, nous sommes tous là. Pourquoi? Pourquoi? Tant qu'on ne saura pas donner la réponse à de telles questions, ça sera difficile. Quand on dit vous facilite la tâche, mon ami, c'est cette personne qui arrive à l'église. Et qui s'assemble avec nous par rapport à quelques objectifs assignés dans la vision. Voilà une personne utile. Voilà une personne qui peut ajouter un plus, bien-aimé, à ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais, bien-aimé, vous donner, n'est-ce pas, quelques caresses bibliques. Matthieu, chapitre 4, 18 et 19.
Matthieu chapitre 4, 18e verset jusqu'au 19e, je lis la parole au nom du Seigneur. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Pierre, Moussoussou, André, qui était Jésus. Qui ont marché le long de la mer de Galilée. Avec deux frères pêcheurs. Ça veut dire qu'ils s'étaient donnés à la vie aquatique. Papa Mikabo, Et oui. Qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs. C'était des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi. Et je vous ferai pêcheur d'eau. Écoutez, pourquoi je vous choisis? Pourquoi je vous appelle? Suivez-moi. Parce que, écoutez-moi, mon objectif, c'est la pêche. La pêche d'eau. Mais vous êtes déjà du domaine. Yes. Vous allez me faciliter là. Amen. Église de mon père n'a pas trop bien aimé de ça par le faciliter la tâche. C'est un grand désarroi dans la vie quand on sait une chose digne. Frère, moi j'ai pas eu la chance de vivre comme vous. Il y a déjà la semence de Dieu. En lui ou en elle, elles ont facilité l'œuvre de l'évangélisation ma fille, ma vie. Amen. Vous êtes déjà participants à la mission. Parce que vous êtes déjà un pécheur. Le corps n'a pas pécheur à mission. C'est bon déjà. Non, mais non, pour ça, nous avons péché d'homme. On doit, mes frères et sœurs, collaborer. Mais la collaboration doit viser un objectif. Amen. Une personne comme André, une personne comme Pierre, ne pouvait pas négliger l'être humain. Parce que l'œil est humain représenté pour lui les champs du travail. Pose-toi une question. En venant tous les jours à l'église, qu'est-ce que le bon Dieu, le Seigneur des sages, t'a dit? Est-ce qu'en venant ici, croyez-vous que le Dieu que nous prions bénit les gens comme le Père Noé? Le 25 décembre est arrivé, amenez-moi tous les enfants, nous quand on grandissait, à part le Père Noël, pour vous, il y avait d'abord Saint-Nicolas. Lui, il intervenait lorsque la dame partait. C'est lui, il me l'a comme il n'en veut pas, Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas nous offrait des biscuits et des bonbons. Voyez-vous que les Seigneurs, ce sont des pasteurs là qui viennent, mais pour faire la commerçabilité, qui nous apprennent ces histoires de Yama Yama, et Jésus, tout ça. Dieu connaît ses élus, connaît ses brebis. Il dit, mais je connais mes brebis, et mes brebis avant tout me connaissent, et ils entendent ma foi. La seule chose, bien aimé, peut se rassurer, que réellement tu es la brebis de Dieu, c'est que tu auras, mon frère, ma soeur, en matière de la connectivité avec Dieu. Oui, parce que c'est réellement la prévue du Seigneur. Attendez, je sais qu'on s'en est cinq fois. Pour Pierre, n'André Laïe. Allez, dit Kamala, n'a pas le salut. Suivez-moi. Après, on va dire, tu vois, mon frère, tu m'as dit ça. Verset 20. Aussitôt, il laissèrent les filets. Il laissa les filets. Il
été soumis. C'est bon déjà. Alors maintenant, moi je viens de te dire, abandonne ça, viens. Je vais t'apprendre le mystère qui existe dans l'humanité. Fais comme le frère qui abandonne ses collègues. Et que pour toi, les problèmes, c'est aussitôt. Combien de fois il t'a dit, abandonne les mensonges, mais pour toi les problèmes c'est aussitôt. La vie chrétienne appartient, mes frères et sœurs, à ceux-là qui facilitent Dieu dans l'accomplissement d'aussitôt. C'est ça la première collaboration. Les objectifs ne sont pas. Écoutez, il y a trois dimensions d'objectivité en matière de l'alliance en Christ. Il y a trois dimensions d'objectivité en matière de la collaboration en Christ. Première dimension, c'est l'objectivité liée à soi-même. L'objectivité liée à soi-même. Ça veut dire quoi? Quand on commence à collaborer avec le Seigneur, bilan quoi dit qu'on s'en d'abord pour l'année là atteindre à beaucoup de mon amour demander. Mais ça va bien, ma faiblesse, on y a ça dans vous. Alors il faut désorienter on a mort, pas orienter on a volonté. Avec beaucoup d'ailleurs, faire dans le domaine boy, avec beaucoup d'ailleurs, un caractère boy, un qui boy, mais cette première dimension n'est lieu que toi, par rapport à toi-même. Pose-toi une question, par rapport à toi, est-ce qu'il y a une collaboration? Parce que si vraiment il y a une collaboration, le Seigneur va atteindre ses objectifs dans ta vie, dans ton caractère, dans ton comportement, dans ta propre vie, bien-être, dans ton propre être. Ne se réalise pas en toi-même, c'est qu'il y a déjà un problème. Maintenant, nous avons des gens dont l'objectivité spirituelle de la divinité au lié qu'on s'assemblait naïe. Là, nous te sommes nous sommes mon avis, mais des là. Mais ça c'est au temps passé. Mais vous ça va scandale. Mais vous ça la bêtise. Est-ce qu'il y a un travail avec toi ici? Je veux le représenter.
bon bateau va finir par finir dans son bini sa micro nous non puis au moment orange à côté car là dans sec mon côté ouais dans le sec parce que tout ma rose descend j'accomplirai à 100% ma mission. Amen. S'il y a une bonne prière à faire pour moi, dis-le Seigneur, qu'il soit tous les jours debout et qu'il descende. Amen. Avec efficacité. C'est la mission que Dieu t'a donnée, tu l'as remplie. Tu l'as remplie. Ne t'as pas qu'on l'envoie, on a eu lieu, ça qui nous sera maillot. À couper ça, il y a ce qu'on a gagné. Il y a Abraham.
Bible a dit Abraham très intelligent. Il alla consulter le Seigneur. A tout mieux, tant à moi si la grâce de Dieu s'en va. C'est que l'homme est bouleversé là. C'est l'injustice divine, mais qui accomplit l'ordre de la mission. Wow. Alors il fait ce que ta femme t'est. Des démons. Papa, t'as un mot d'avant ça, on m'a payé, on m'a payé. Mais ça, il attend de nous ça, on t'a pas son lit là. Où est-ce qu'il y a des rues destinées? Dans ma côté de la maman. C'est-à-dire, moi, on va calme, à quoi il était. Au détail de l'histoire, j'ai fait. Wow. Dieu est au-dessus de la loi. Oh! Amen. Ça, c'est vrai. Wow. Yes. Je vais vous dire quelque chose, ne dites à personne. La loi d'après Romains 7, 14, la loi est spirituelle. Mais Dieu est esprit. Vous voulez l'eau? N'a pas salé l'amour. Au nom de Jésus. N'a plus de papier. Ça, c'est la spiritualité. Au moins, on attend pour voir la tête. Mais la spirituelle. L'eau est la spirituelle. Donc, on t'a demandé de gagner mon amour. Mais Dieu est esprit. Alors, si tu veux marcher avec lui, comprends aussi les diapasons de l'esprit. Donc, vous êtes en train de camarades de la Dieu d'esprit. Voilà. C'est compliqué. Fais ce que tu as en tête. A ti qui prend la guerre, a bini. N'a pas si la montée. Dieu ne négocie. Par après. Et c'est maintenant mon cœur, Abraham Bia. Vous devez connaître le problème de mon âge. Vous tiens à eux. Ok, mais ça va être disponible. Ah ben oui, très intelligent, mon ami Abraham. Je parle de mon ami Abraham. Je parle de mon père. Il va dire simplement aux Juifs. Il y a Agar, comment dire l'invité Sarah, n'a pas eu de savoir que la guerre a eu salaud à dire. Comme ça, quand tu as fait un canon avec moi, on a été, on a sauvé à Babouli. Ils sont pas. Le Seigneur a compris. Ok. Hier, je t'ai demandé de prendre ton premier sang. C'est pour Yogaki. Si par rapport à l'enfant qui est charnel, tu m'as obéi par rapport aux dévotions charnelles. Frère, regarde. Papa venait de se tirer comme ça, tu sais que par rapport à la guerre, nous avons dit, comment vous renoncez à ça? Wow! Facilité! Et là, je suis là, papa. C'est un niveau. Il y a le premier qui est animal. Parce que le second est spirituel. Il demande parfois des choses difficiles. Et ce qu'il nous demande, c'est ça l'objectif qu'il veut atteindre dans nos vies par rapport à la vision de tout un chacun. On est notre élément. Nous sommes dans papa, on est la vision de l'année. Quand nous sommes les mémoires, on va nous dire, on va nous remarquer, ça va nous péter, on va nous dire les mémoires. Tous les jours que la parole sera prêchée, il va nous dire.
pas mérité ma visite. Même pas un jour. À cause de ce que précédemment ils ont rendu à moi comme service néfaste. Mais j'ai tenté bien de les rapprocher, de les approcher à cause de cet évangile. La Bible dit, je prie tout à cause de l'évangile afin qu'il ne soit pas. Il y a des choses que tu auras parce que tu as compris la mission. C'est-à-dire pour un dernier objectif dans le monde. Et tu n'as pas ça, pas pour ça. Il t'essaye même dans la manique. Il t'a envoyé dans cette église. Il t'a fait comprendre ta mission que tu n'as pas donné à des gens. Il y a des mecs qui t'ont fait envie de tort, même au Rio. Et tu vas même pas vraiment obéir à moi. Mais c'est même sa mission. Et ça va te faire le temps de la Roma beaucoup. Au limite, ça va battre de génération en génération. Mais c'est pas là que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Nous avons besoin de la mission, ma casse. Où il y a un petit d'ailleurs sur le procès à mon abattu. Et que ça va payer pour m'allouer sa bâtie. Et que ça va pardon pour m'allouer sa bâtie. Et que ça va choix pour nous partager la bâtie. Et pour nous en avoir malheur, pour nous partager le sentiment de malheur. Et pour ça, pas capable de révéler à chacun qui a une dimension et un défi. Et troisièmement, ce sont des objectifs ecclésiastiques. Troisième dimension. Des objectifs ecclésiastiques. Bien aimé. Nous avons à y être chapelle. N'a-t-il pas de tina pour ton âme? N'a-t-il pas de tina pour ton âme? N'a-t-il pas de tina pour ton âme? N'a-t-il pas de tina pour à niveau évangélisation, à niveau finance, sociale, à niveau bien, mais tu ne le fais pas bien. Tu n'as aucun fa. Je ne respecterai aucun degré de responsabilité, qu'elle soit, qu'il soit, je ne sais où même qu'elle soit, je ne sais comment, mais plus que mon engagement dans l'église, les athées. Tu respectes ton mari, ta femme. Tu l'aimes plus. Non, moi, il doit avoir sa programme. Il y a un peu de mon livre là. Parce que ça, il n'y a pas de mon livre. Il y a un peu de la culte. Donc, nous avons des chrétiens. Ces chrétiens des dénominations qui peuvent même manquer à l'église à cause de ma tante. Il y a un ami. Mon livre, mon ami, soit quand on a une deuxième femme, mon gars, il y a mon rega. Allez, l'aide, il y a un peu de mon livre. Il y a un peu de ma famille, il y a un peu. Les gens qui ne savent pas que tant aux osas, tant aux osas, on sera comme dans la tignée dans cette église, dans nos lignes séries, c'est que vous savez, et même on a dit quoi pour l'abonner, pour calisser la vie. Parce que à tout ouvrier mérite un salaire. Friends, I'm my boss. Le docteur évangéliste Denis qui vous parle, le dit, bien aimé, avec efficacité, que ce que les autres à chercher, bien aimé, en croupissant derrière les alliances les plus nocturnes et nuisibles, même pour leur propre vie, bien aimé, Dieu me les donne, bien aimé, avec un amour que je ne saurais définir. Vous savez pourquoi? Quelle facilité de les avoir? C'est tout simplement. Tu es dans quel poste, tu joues quel rôle? Pose-toi une question. Est-ce que tu as déjà atteint cette opportunité? Ou ça, dans mon salaire, tu n'es pas de la race, il n'y a pas 6 000 euros, il y a 9 000 euros, il y a 10 000 euros. Sous terre. C'est que la petite église, ça, tu l'as vu, tu as vu, tu l'as vu. Ça ne peut faire rien. Vous pouvez partir tous. Je veux seulement dire à ta vie, assis-toi, je veux bombarder la porte. Je veux dire aussi à ma mère, pardon, c'est dernier temps, il va bien l'église catholique. Reste ces mains-là parce qu'ils sont tous partis. Et moi, je bombarderai, bien aimé, la parole de Dieu. Et pas une non, au Canada, c'est là du bâton. Oh, pas besoin du bâton. Aïe, il n'a pas bien, on va dire les voix. C'est compliqué. Aujourd'hui, mon service, tu ne connais pas la collaboration. Est-ce qu'un encadreur spirituel, est-ce qu'un pasteur ou je ne sais qui, mais le même accompli, il
Mais ces jugements ne seront prévaloir contre cette église-là. Maintenant, l'église est partie par la dimension humaine. Dans les villes là-bas,